Toujours à la maison du pont 7 avec Tiffany. Coucou, c'est Tiff. Salut, salut. Avec Valérie. Ça va bien, Valérie? Oui, ça va. Il fait chaud, hein, quand même. il fait lourd, hein. C'est rien, la pluie va arriver, c'est plus un problème dans quelques heures. Alors, Tiffany, je vais te laisser la main pour un petit peu discuter, échanger avec Valérie sur tout ce qu'elle a ressenti et vu ici. Patrick, je te remercie beaucoup de proposer cela. Et ensemble, on va mettre à l'aise Valérie, tout simplement, parce que Valérie sort de sa zone de confort et c'est quelqu'un qui est dans le service aussi à l'autre. Et donc, de par ce témoignage, je te remercie parce que ça t'aide et surtout ça aidera davantage celles et ceux qui peuvent ressentir, qui s'autorisent. Salut. On est à la fin de ces deux jours sur l'inauguration. Pourquoi t'es venue? Alors, je suis venue parce que je te connais depuis, je te suis depuis quelques années. Et je trouvais vraiment chouette cette proposition avec tout ce que tu as fait dans cette maison, tout ce que tu as mis en place. Et j'avais vraiment envie de te voir aussi. Et puis de découvrir un peu tout ce que tu avais mis en place. Et donc aujourd'hui, sur ces deux jours d'initiation, il y avait une expérience de l'état de méditation. C'était intéressant. Oui, c'était très intéressant. Quelle était ta relation avec toi, enfin avec l'état de méditation avant ton expérience, à mes côtés et ensemble? J'appréciais pas plus que ça la méditation. Je trouvais ça ennuyeux, long. C'était une perte de temps aussi. Et pourquoi tu as continué quand même? J'ai fait quelques expériences, mais j'ai pas poursuivi. Ah, ouais. Parce que vraiment, c'était... J'arrivais pas du tout à me concentrer. Et non, c'était vraiment pénible. D'accord. Bon, si on est en pratique et que ça met une zone d'inconfort où on ne sait pas transformer. Par contre, tu t'es autorisé et proposé ce cadeau de méditer en groupe. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors, la méditation d'hier, donc déjà, c'était pas une méditation seule, donc c'était guidé, il y avait le tambour, il y avait aussi ce que tu proposais, donc il n'y avait pas de place pour l'ennui, en fait. Donc déjà, c'était pas une méditation qui était trop longue, mais en même temps, quand ça s'est arrêté, j'avais envie que ça continue, c'était vraiment intense. Et j'ai vraiment senti des sensations physiques d'apaisement et puis de reliance à quelque chose. Et en fait, j'avais envie que ça continue. C'était comme une ouverture à quelque chose de plus grand, de plus spacieux. Magnifique, merci. Merci pour ce témoignage. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sentent un appel, qui ont une envie? Une résonance, mais qui pour venir hein, ou pas, mais qui n'oserait pas justement. Tu vois, qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces gens qui, comme toi et comme moi aussi à l'époque, la méditation me disait. Et pourtant, j'étais appelée parce que je savais que cet état-là allait permettre de plein de choses. Et qu'est-ce que tu leur dirais, s'il te plaît? Je leur dirais vraiment de venir faire l'expérience parce que déjà, tu as des qualités qui sont vraiment impressionnantes, de permettre aux gens de se connecter à eux-mêmes. Tu as une voix qui est très, très apaisante et tu sais choisir, tu sais vraiment mettre en valeur tous les endroits qui sont propices à se concentrer, parce que là tu nous emmenais dans des lieux vraiment magnifiques, apaisants, où on était à la fois connectés à la nature, à nous-mêmes. Il y avait le bruit d'une merveilleuse cascade d'eau, il y avait un petit vent frais qui était vraiment agréable. On était bien installés, on n'était pas trop proches les uns des autres. Chacun avait son espace vital.
Et c'était, c'était une grande ouverture et un grand respect aussi de chacun. Et t'as vraiment des... Enfin, c'était vraiment puissant, quoi. T'as vraiment... Je cherchais le mot, mais ce qui te qualifie, c'est vraiment beaucoup de puissance. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est enseignable et reste enseignable, restons humbles. C'est que dans le groupe, il y avait des profils différents. Et ce qui était intéressant, c'est de rester dans mon centrage, dans mes ressentis, ma canalisation, et d'apporter ce qu'il y avait à apporter sans la réflexion, et chacun en a trouvé ce qui lui venait chercher, en tout cas. Et ça, en fonction des stances de conscience, ça a été très puissant pour tout le monde, en fait. Merci. Est-ce que tu as envie, nous avons fait une autre méditation aujourd'hui. J'ai reçu les informations avant de se présenter dans les lieux. On a pris de l'eau, on a pris des bougies. Il y a eu vraiment tout un processus parapsychique qui a été installé, en fait. C'était vraiment amusant. Donc ça veut dire qu'elles ont été dans un état de méditation, mais où elles ont... Tu peux peut-être en parler, de cette découverte de ton magnétisme, de ton propre magnétisme, et donc de tes capacités quelque part parapsychiques, où ça peut arriver avec les visualisations, avec l'audition, avec la kinesthésie, et bien d'autres vecteurs de communication. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit dans la méditation d'hier et celle d'aujourd'hui, c'est le temps que tu prends pour chaque personne. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de méditations qui se passent comme ça. C'est vraiment ta touche personnelle, c'est vraiment ton expérience de vie et la connexion que tu sais faire avec chacun et chacune. Cœur du cœur. Mmh. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas de la théorie qui est balancée. Voilà. Et adapté à chaque personne. C'est ça qui est fantastique. C'est un apprentissage et des exercices au fur et à mesure d'années. Mais c'est honorer la vie en moi et la vie que je me suis autorisée aussi à l'âge de 23 ans ou quand j'ai failli perdre, arrêter complètement lors d'un accident grave sur l'autoroute. Et je voulais, au niveau du magnétisme, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? T'étais aussi entourée des autres, donc est-ce que tu pouvais sentir les autres, mais ne pas te sentir impactée, ou alors impactée, comment Il y avait une sorte de reliance, mais j'ai bien aimé les exercices que tu nous as fait faire, qui nous ont... Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment senti des petits picotements dans les mains et de la chaleur dans les mains, alors que c'était vraiment quelque chose d'anodin, et que c'est un geste que je fais... dans la vie de tous les jours, et je ressens pas forcément de sensations particulières. Donc tu as dû activer quelque chose. L'attention et la conscience, c'est juste mettre l'attention, poser l'attention et l'intention. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'en avais parlé hier, du magnétisme. Oui. C'est pour ça que tu souviens. Et je vois qu'aujourd'hui... Et nous, on n'en a pas discuté ensemble. Ça s'est mis en pratique. Exactement. Je te disais, j'ai reçu des informations avant, j'avais besoin de me mettre en silence. Et en fait, j'ai compris pourquoi je devais me prédisposer. Parce que tu me prédisposais pour recevoir les informations. Et parce que tout le monde est canal. Et donc, quand on arrive comme ça, en recevant les informations, c'est une prédisposition intérieure. Si je me sens chahutée à l'intérieur pour une raison privée, pour n'importe quoi... Je vais venir contracter, et donc l'information, l'intuition, elle passera pas, quoi. Elle passera pas. Et je vais passer à côté de l'expérience. Donc l'idée... Tu as eu des contractions physiques aussi, toi, ou pas ? Pas vraiment des contractions, mais des tensions, oui, au niveau du sternum. D'accord. Donc, vous avez respiré dans chaque roue énergétique aussi. Est-ce que tu te souviens de quelque chose ou pas à ce moment-là? Les exercices de respiration, ça a bien aidé.
Mais j'ai pas un truc. C'est ça. Moi, je me souviens que tu étais fort dans le mental au début. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Mmh. Ok. C'est. Merci Valérie. Merci. Merci. Allez, on se retrouve tout de suite avec la suivante. Voilà, toujours à la maison du Pont 7. Bonjour Véronique. Bonjour Patrick. Alors, tu nous viens de Bruxelles, enfin le Grand Bruxelles, et tu es venue ici voir Tiffany pour passer quelques expériences, c'est bien ça? Oui, pour découvrir son nouvel espace qu'elle a fait, et parce qu'elle m'a invité personnellement aussi à venir, et que je me suis dit que c'était aussi une bonne évasion pour découvrir en même temps ce qu'elle faisait. Avant de parler des ateliers, la méditation et voix qui ont été faites, comment trouves-tu l'endroit? L'endroit, je trouve qu'il est super beau, super bien. Les environs sont géniaux au niveau énergétique, au niveau paysage, qui a très nature. Très nature. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a de relire aussi. Mmh. En fait, on a une rivière pas loin, on a une ancienne ligne de chemin de fer qui est devenue un ravel. Hein. Donc, pour nos amis français, le ravel, c'est une piste, un circuit à vélo. C'est le réseau des voies lentes, des voies lentes. Oui. Le réseau des voies lentes. Et en fait, c'est basé sur des anciennes lignes de chemin de fer. Des lignes de chemin de fer désaffectées. Désaffectées, qui ont été transformées en promenade principalement pour les chevaux, les piétons et les vélos. On a beaucoup qui ont été asphaltés pour que les vélos puissent vraiment bien circuler dessus. Et on peut se balader pendant des dizaines de kilomètres. Et ça, il y en a certaines lignes qui traversent au KBJ. Voilà. Toute la Wallonie surtout. Hein. Beaucoup plus en région Wallonne qu'en France. Oui, le Ravel c'est précisément francophone, Bruxelles, région Wallonne. Oui, tout à fait. Alors, Véronique, on a d'abord été à un atelier de méditation. Tu en as fait un hier, tu en as fait un aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette méditation? Comment tu l'as accueillie? La façon de Tiffany de faire? Elle est très particulière et en même temps elle est unique. Mm-hmm. Et ça va très profondément en soi. Est-ce qu'on part très vite en méditation avec elle? Pour moi, il n'y a aucun souci parce que je fais déjà de la méditation et oui. C'est vrai qu'on sait vite partir dedans quand elle nous accompagne très rapidement pour entrer dans la méditation. Maintenant, il faut aussi être ouvert déjà à ça parce que parfois ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. Mmh. Alors, la méditation, elle est guidée. Oui. Toi, vers quoi tu étais? Si tu veux bien nous en parler d'ailleurs. Vers quoi j'ai été? Est-ce que des personnes te sont apparues? Est-ce que des paysages? Est-ce qu'un autre univers t'est apparu? C'était plus la paix, la sérénité. Des énergies? Oui, plus au niveau énergétique que c'est venu. Et aujourd'hui, dans celle où on était dans la nature, c'est vrai que l'énergie des arbres et tout ça était vraiment beaucoup plus forte pour accompagner. Hier, l'énergie de l'eau était très forte aussi par rapport à cette cascade qu'il y avait devant nous. Je pense que c'était aussi très favorable par rapport à tout ça. Pas la même vibration que la forêt aujourd'hui? Non, pas du tout la même et vibration. Et l'eau qui coule, hein. L'eau qui coule, il y a un mouvement quand même. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'était différent comme énergie. C'était deux énergies pour moi qui étaient totalement différentes qu'on a eues. Je suis peut-être, bien que hier j'étais assez bonne aussi. Bon, l'espace n'était peut-être pas tout à fait accueillant par rapport aux herbes qu'on avait par terre. L'endroit qu'on a choisi spécialement pour se mettre, on avait des petits picots qui étaient là. Ouais. Juste à côté de nous. C'est ça la nature, hein. La nature peut être piquante aussi. Hein. Là, c'était les petits picots qu'on avait, mais là, j'ai l'impression que cette cascade a une énergie vraiment très particulière. L'eau est aussi un élément important pour moi.
Et donc, c'est vrai que c'était... oui, j'aurais aimé aller comme Manu a fait tout au-dessus. Ah, il y avait moyen, il y avait un petit chemin. En fait, la cascade se trouve sur un ancien moulin à eau. Oui, tout à fait. Et donc, il reste la chute qui est devenue une cascade maintenant. Tout à fait. C'est un merveilleux endroit, caché. Hein. Très caché. Les deux endroits qu'elle nous a invités à aller sont deux endroits vraiment bien cachés, bien réservés. Et je peux comprendre qu'elle ne veut pas y emmener n'importe qui non plus, puisque ce sont des endroits qu'elle veut privilégier pour y faire ses méditations. Exactement. Alors, il y a une deuxième expérience d'atelier, c'est par la voix avec Sylvette. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé pour toi ? Mais j'ai pu ouvrir ma voix assez fort par rapport à ça, que je n'avais pas connaissance de tes profondeurs, et c'est surtout après, quand avec Sophie, on a fait un exercice, de voyage chamanique, voilà, avec le son, où là, elle a dit, j'entendais ta voix plus forte que les autres, et tout ça, et je me dis, waouh. Parce que c'est vrai que dans cet exercice-là du voyage chamanique, là, je me suis tout à fait lâchée. Avant ces moments, est-ce que tu te sentais capable de sortir ces sons ? Sortir des sons, oui, mais peut-être pas de la manière dont Sylvette nous a amené à le faire. Mmh. Quand moi, je te revois lors de cette expérience, hein, où on était tous en cercle, hein. Véronique n'est pas très grande, mais j'ai trouvé que elle a grandi au fur et à mesure de l'expérience. Ah, c'est bon de savoir ça. C'était l'impression. Elle s'est élevée. Oui, ça oui. Élevée et surtout élever la gorge et libérer la gorge. Libérer, voilà, libérer. Oui. S'envoler. Oui, si on peut dire, oui. Alors, est-ce que tu conseillerais aux gens de venir à la maison du Poncet pour refaire des expériences pareilles, pour apprendre toutes ces choses qu'on a au fond de soi, pour s'apprendre soi-même? Oui, je pense que ça va être un superbe endroit pour faire des ateliers comme ça. Je vais probablement y contribuer aussi avec Tiffany. Et voilà, parce que c'est comme ça, j'ai connu Tiff dans un séminaire particulier. Et on va probablement, ça fait déjà un petit temps qu'on disait qu'on allait collaborer ensemble et que ça ne s'était pas encore fait. Et puis maintenant, je pense qu'on va pouvoir le faire aussi. Une conclusion de cette porte ouverte ici, de cette ouverture. Très bien mangé, un endroit énergétique et surtout un endroit... spirituel, avec de belles rencontres, et oui, une très belle expérience. Et je suis contente d'avoir pris ces deux jours pour venir ici. Merci Véronique. Merci. Donc, vous pouvez retrouver Tiffany Valencia sur Facebook ou la maison du pont 7. C'est le chiffre 7. Au revoir tout le monde, et rendez-vous chez Tiffany si vous le voulez bien.